Au cabinet de travail du ministre des Affaires étrangères, deux ambassadeurs ont été reçus tour à tour, l'ambassadeur de Cuba et du Liban. Sheila Mebale, Justine Jana, compte rendu d'audience. Au cabinet de travail de Régis Onanga Ndiaye, d'abord ce tête-à-tête avec le ministre de la Santé et de l'ambassadeur de Cuba, son Excellence Alex González García. Puis s'en est suivi une rencontre élargie aux collaborateurs de deux membres du gouvernement. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération sanitaire et son extension sur le plan économique afin de répondre aux préoccupations des étudiants vivant dans ce pays. En deuxième heure, le ministre des Affaires étrangères a reçu, à la demande du président de la transition, l'ambassadeur du Liban au Gabon. Il s'est agi pour les deux personnalités de faire le point sur la situation des Gabonais résidant au Liban. Vous voulez avoir des nouvelles par rapport à la situation au Liban qui est impactée par la guerre à Gaza, les attaques quotidiennes sur la population gazaouie, l'impact sur le Liban et la déstabilisation de toute la région. Donc, je l'ai rassuré quant à la stabilité, quant à l'intérêt du Liban de préserver la paix et le calme. Jusqu'à présent, la situation se maintient plus ou moins stable au Liban. Et il y a toujours lieu de faire attention parce qu'à n'importe quel moment, il se peut qu'il y ait un dérapage. Mais pour l'instant, la situation est sous contrôle au Liban. Notons que la coopération entre le Gabon, le Liban et Cuba